Bienvenue sur l'une des courses les plus difficiles de l'année, où les hautes vitesses combinées à des enchaînements de virages très complexes font de ce circuit l'un des préférés des pilotes. C'est l'heure du Grand Prix du Japon. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Verstappen, Sergio Pérez et Russell, Ocon, Gasly, Tsunoda et Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Zhou, Kevin Magnussen et Fernando Alonso, Vettel, Albon, Lando Norris et Lance Stroll, Latifi et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche.
retour en course, continue comme ça. Beau travail.
été. Tu as été au-dessus du lot aujourd'hui. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Mon pilote du jour, c'est Charles Leclerc. Rien ne pouvait l'arrêter sur le circuit aujourd'hui. Il a remonté ses concurrents avec facilité. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.